Quel match, quelle partie d'assaut nous attend. Ça fait déjà un moment que tout le monde en parle. On est content d'y être enfin. On se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi. Allez, on se retrouve dans une poignée de secondes au Sport Park Chrono Thomas Sommer pour le coup d'envoi. On a le plaisir de faire un tour aujourd'hui en Bavière. Nous sommes dans les tribunes du Sport Park Chrono Sommer. Benjamin Da Silva pour vous faire vivre ce match avec l'ancienne gloire de Vélez, Omar Da Fonseca. Ça va être un plaisir de vivre ce match important, la France contre la Croatie. Et oui, on se retrouve pour vous faire partager la magie, l'enthousiasme d'une exhibition artistique. Nous allons rentrer dans une extase sans recours au raisonnement. Voici les titulaires pour l'équipe de France. Dans le but, c'est Mike Maignan, Upamecano avec William Saliba au centre de la défense. Ousmane Dembélé sera avec Kylian Mbappé sur les ailes. Et pour finir, il n'y aura qu'une seule pointe devant. La compo pour la Croatie. Dans le but, on retrouve Livakovic, Calhanoglu avec Bardiol en défense centrale. Luka Modric sera accompagné par Kovacic au milieu. Et enfin, ce duo en attaque. Voilà, c'est parti, le coup d'envoi. Aurélien Tchouaméni, Théo Hernandez. Et c'est joué par-dessus. Excellent timing sur cette interception. Borna Sosa. Bardiol. Calhanoglu. Modric. Là. Le ballon n'est contrôlé par aucun des deux milieux là. Dans le dos de la défense, ça peut être dangereux. Upamecano qui éloigne ce ballon. Allez, la bonne récupération de la part de la Croatie. Il faut centrer là-dessus. Et c'est pour Kovacic. Salik. Ousmane Dembélé, Guendouzi, ouais, la bonne passe dans la profondeur, le ballon pour Théo Hernandez, voilà le bon geste défensif, c'est contré, la frappe contrée sans souci. Borna Sosa.
Modric. Ah oui, c'est bien vu ça. Attention, pour mener au score peut-être. Et le gardien qui écarte bien le danger. Jules Koundé. Matteo Guendouzi. Et s'il y a bien un joueur à surveiller parce qu'il peut toujours nous éblouir, c'est évidemment Kylian Mbappé. On l'a jamais vu transpirer. Et l'arbitre siffle la faute. Dommage pour l'équipe parce que son attaque partait vraiment bien. Le match débute à peine et elle sort déjà un carton jaune. C'est un avertissement pour tout le monde. Oui, elle n'a pas l'intention de laisser les choses se déraper. Mbappé. Oh, le ballon dévié sur la transversale. Oh, finalement, c'est au fond. La parade était belle, mais pas assez. Derrière, ça a bien suivi et c'est la sanction. On revoit sur ces images la belle intervention. Mais le danger n'est pas écarté. Il y a toujours le feu dans la défense. Le ballon est renvoyé, ensuite ça va très vite. Dans les cages, évidemment, on est furieux contre sa défense. Selon lui, elle est trop apathique sur cette action. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Borna Sosa. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Et l'arbitre siffle en faveur de l'équipe de France. Et ça sera sans doute son dernier avertissement avant le carton. L'arbitre a été plutôt sympa jusqu'à là, mais à la prochaine faute, ce sera clair que ça ne passera plus. Chouameni, Matteo Guendouzi, Jules Koundé, Kamavinga. La Croatie qui récupère ce ballon. Pasalic. Pasalic. Kramaric, une possibilité de la concentrer. Mario Pasalic. Bien vu, le bon ballon. Kramaric. Oh, attention Kramaric. Oh non, quelle belle occasion de revenir dans le match. Et on se rapproche. L'égalisation, c'est pour bientôt. Guendouzi. Guendouzi avec le ballon, le tir, et c'est finalement capté sans trop de problème. Kovacic. Un ballon dans le couloir avec un peu d'espace. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement.
Aurélien Tchouaméni. Camavinga. Ah, c'est bien joué, ballon par-dessus. Ah, la frappe, ça part bien. Goal! Et le voilà, le but venu d'ailleurs. Trajectoire incroyable. Et cette puissance de fou. Deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Mbappé. Très bon timing sur cette interception. Gvardiol. Borna Sosa. Modric. Ouais, une bonne charge. Modric. Luka Modric. Peut-être un bon mouvement offensif pour la Croatie. Magnifique ce contre. Guendouzi. Un coup franc là pour les Bleus. La défense prend le dessus, le danger est écarté. Ah, le bloc est reculé pour inviter l'adversaire à laisser des espaces. Guendouzi. Bonne pression qui permet de récupérer le ballon. Ouais, ballon aérien. Ouais, très bien défendu. La faute est signalée par l'arbitre. Coup franc. Oh, la tentative lointaine, ça tape la barre et ça revient. Ah, la menace planait, mais le danger est détourné. Borna Sosa. Ouais, précis, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. La bonne protection du ballon avec son corps. Oh, le tacle pas bien maîtrisé, évidemment il y a faute là-dessus. On l'avait prévenu plusieurs fois, mais la sanction est tombée, carton jaune. C'est un carton prévisible et l'arbitre vient en quelque sorte le récompenser pour l'ensemble de son ordre. Dembélé. Nkunku. Luka Modric. Quelle dispute là au milieu de terrain pour garder le ballon. Oui, il s'est bien fait ça. Touche à suivre. Et ça joue vers Modric. Et il remporte son duel, bien défendu. Camavinga. Et l'équipe de France en approche. Ah, il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Wow, le tacle a musclé, l'arbitre laisse jouer. Intervention assaisonnée à l'huile des coudes.
Les stats nous montrent que la possession n'est pas pour les Bleus. Et pourtant, ce qui est intéressant avec cette équipe, c'est sa maîtrise d'autres éléments très importants dans le football. L'espace et le temps. Sans toucher plus le ballon, elle arrive à être beaucoup plus dangereuse. Et oui, pas besoin d'avoir le ballon pour peser dans cette rencontre. Mario Pasalic. Le pressing paye, ballon récupéré très haut. Oh oui, l'intervention! Bien joué le gardien! Koundé. Dembélé. Ouais, la bonne intervention, touche! Kamavinga. Kylian Mbappé. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Pasalic. Mateo Kovacic. Borna Sosa. Kovacic avec le ballon. Et le tir. Et le gardien sans saisie, sans trop de problème. Il y aura au minimum 2 minutes de temps additionnel. Le ballon est intercepté. Ah, jaillissement très haut, le ballon est récupéré. Et c'était une frappe vraiment bien puissante. La seule chose qui manquait sur ce tir, c'est peut-être une plus grande précision. Et voià donc l'arbitre qui siffle la mi-temps à l'instant au Sportpark Ronov, Thomas Sommer. À l'image, Luka Modric, et pour le moment, le Croate peine à nous montrer son talent. Son rendement offensif, il est inoffensif. Le gardien adverse peut prendre son RTT. Le match reprend et donc la France mène largement au score. Et au final, c'est un ballon pour le gardien. Borna Sosa. Avec l'interception et le ballon est récupéré. Et c'est joué par-dessus. Guendouzi. La frappe. Tir contré sans difficulté. Et ça presse bien. Ah non, il ne faut pas la perdre dans cette zone. Luka Modric. Et non, ballon perdu. Mbappé. Et un ballon renvoyé par la défense. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Ah, c'est le choix de la verticalité sur ce contre, mais ça se termine par un ballon perdu. Oh, le ballon par-dessus. Ah, le ballon est perdu. Voilà la tactique, une position très reculée pour inviter l'adversaire à presser. Ouais, le petit ballon par-dessus.
de côté. Ah voilà, il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu. Ah, il y a du monde là, quelques possibilités. Mateo Kovacic. Ouais, c'est bien lui ça, bonne interception. Ousmane Dembélé qui joue la profondeur. Ouais, ballon par-dessus, bien joué. Ah, c'est un ballon très délicat, parfaitement intercepté. Ah, Salik. Andrei Kramaric. Ben oui, bien joué, la bonne passe. Et on lève la tête, là, peut-être un centre. Et ça joue vers Modric. Le tir de Modric. Oui, bien défendu. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Allez, bien joué, bonne intervention. Distribution en attaque là. Kramaric. Pour Mario Pasalic. Et peut-être le but pour revenir. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. Et l'interception, la perte de balle des Bleus. Christopher Nkunku. Et l'arbitre siffle la faute, coup franc dangereux à venir. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Ouais, la frappe, ça part bien. Et c'est repoussé par le mur. Koundé. Ouais, c'est un ballon qui est bien donné. Le ballon porté Hernandez. Ouais, le gardien qui écarte bien le danger. Kovacic. Luka Modric. Et les voilà en possession du ballon. Et on essaye par-dessus. Ousmane Dembélé. Et c'est finalement capté sans trop de problèmes. Mateo Kovacic. Koundé. Christopher Nkunku. Et l'équipe de France qui progresse. Ah, l'action était bien partie. Et finalement, c'est perdu. Boudimir. Borna Sosa. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Modric. Ouh, la passe aérienne. Ballon pour une frappe. Oh, la bonne parade. Ouais, la bonne lecture pour stopper cette offensive. Ouais, l'équipe de France en approche. Mbappé, la frappe. Et c'est le but, c'est au fond. Et c'est signé Mbappé. Quelle capacité à peser sur les défenses, quelle facilité pour être décisif, quel talent surtout pour trouver la faille. Regardez, tout va très vite dans cette contre-attaque. La récupération, la passe en profondeur, c'est parfaitement bien mené. Arrivé là, on se dit que le tir est impossible. Et puis non, il arrive à se déjouer de la pression et à conclure parfaitement. Allez, on y retourne. Et les Bleus ont maintenant 3 buts d'avance.
Modric. Andrei Kramaric. La frappe, bonne intervention pour éloigner le danger. Le ballon sort en touche. Pasalic. Brillante intervention dans la surface sans commettre de faute. Nkunku. Le ballon change de pied. Mateo Kovacic. Attention à cette passe. Attention Kramaric. Un bon arrêt du gardien. Kylian Mbappé. Théo Hernandez avec le ballon. Ah, il prend sa chance de loin. Oh oui! Mais quel but exceptionnel! Il entre directement dans la compile des Golazo. Il faut de la conviction pour tenter une telle frappe à cet endroit du terrain. Beaucoup de conviction. Et voilà donc un nouveau but. Ça met encore plus KO l'adversaire. Le match est quasiment plié. Kovacic. Borna Sosa. Mateo Kovacic. Ouais, c'est vraiment bien vu ce ballon. Eh oui, c'est réussi, il est passé. Eh oui, là, il n'a pas lâché, il revient pour reprendre ce ballon. Koundé. Destitution en attaque, là. Boudimir. Borna Sosa. Nkunku. Tchouaméni. Théo Hernandez. Kamavinga. Ballon pour retrouver la possession. C'est continu pour la Croatie qui peut avancer dans le couloir. Et c'est bien donné dans la profondeur. Et le ballon vient buter sur le gardien, très bien sorti sur l'action. Très vif sur ses appuis, un bon placement et une bonne anticipation sur ce ballon en profondeur. Voilà, le remplacement intervient. Le corner. Non, ce corner ne donne rien, renvoyé par la défense. Kylian Mbappé. Mbappé. Ah, pas mal, il y avait de l'idée, mais ça passe au-dessus. Mateo Kovacic. Il y aura au minimum 2 minutes de temps additionnel. Modric. Luka Modric. Ouais, très bien, la bonne protection de balle. Attention à cette passe. Ouais, quelle interception, il fallait intervenir. Et voilà le coup de sifflet final dans cette rencontre. Et c'est une victoire pour l'équipe de France. La supériorité dans le jeu, dans la volonté d'être protagoniste du match, c'est tout ça qui leur a permis de gagner. Le
Le crack de la rencontre, évidemment, c'est lui, Kylian Mbappé. Encore une fois exceptionnel. Il a vraiment tout fait. Super performance de sa part pendant tout le match. Sa présence a pesé sur la défense. Ce doublé, c'est la récompense de tout son travail devant le but adverse.